Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto sur les embraseurs célestes, donc la balise, le code, le pass. Je vais vous expliquer en détail comment utiliser tous ces items. Donc la quête commence tout simplement avec la balise que vous activez dans le Dantalion, donc le gros vaisseau cabale qui est scratché au milieu du spawn, donc de la brèche de la coque. Les cabales vont donc appeler une équipe en reconnaissance et il va falloir éliminer les différents ennemis cabales jusqu'à faire apparaître le boss final. Et donc sur ce boss final, une fois éliminé, vous allez looter tout simplement un code des embraseurs célestes. Donc ce code, où est-ce qu'il va falloir l'insérer? Tout simplement dans le mausolée, en l'occurrence dans l'autre partie du vaisseau du Dantalion, et tout simplement vous avez un petit ordinateur dans lequel on vous demande d'insérer le code des embraseurs célestes, et une fois ce code activé, vous allez avoir une série de quêtes à réaliser en trois phases. Donc la première phase de cette série de quêtes va être tout simplement d'éliminer 100% d'ennemis dans la zone dans laquelle vous vous trouvez, donc c'est très très simple, il vous suffit tout simplement de faire quelques séries d'élimination en exploration. Une fois cette première phase achevée, vous allez naturellement continuer avec la deuxième phase et là vous pouvez tomber tout simplement sur plusieurs types de quêtes à réaliser. Donc on va vous demander soit d'analyser des composants d'un moteur, soit de transmettre des données directement au spawn à la brèche de la coque, ou encore de repérer un signal directement en faisant un relevé des environs un petit peu plus loin dans le cuirassé. Donc vous l'aurez compris, vous avez un temps imparti pour réaliser cette étape qui va tout naturellement vous mener à la phase 3. Et la phase 3, elle est commune à toutes les balises. Il faut tout simplement intercepter un chef ennemi. Donc vous avez un certain délai pour le repérer. Une fois ceci fait, vous avez tout le temps que vous souhaitez pour l'éliminer. Et en éliminant ce chef ennemi, vous allez tout simplement obtenir un pass des embraseurs célestes. Alors pour utiliser ce pass, il va falloir revenir dans le mausolée, dans la partie supérieure du Dantalion, et vous allez pouvoir l'insérer dans une porte, ce qui va vous donner accès tout simplement à un coffre dans lequel il va falloir à nouveau insérer votre pass pour pouvoir obtenir les loots de ce coffre. Donc voilà, vous l'avez vu, ce tuto est très très simple, c'est très très court, il fallait simplement connaître l'emplacement des différentes étapes et veillez à bien respecter le timing, sinon votre pass sera annulé et ne sera plus récupérable. J'espère que ces petites infos vont vous aider dans votre quête sur le cuirassé. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Ciao tout le monde!